Bienvenue, merci d'être là pour ce sujet un peu différent hein, dans les conférences d'Urantia. Pour commencer cette présentation sur le langage universel, bon, je vais l'introduire un peu par un biais un peu détourné, qui est la question que nous nous posons tous très souvent. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Ou qu'est-ce que c'est le plan de Dieu? Et donc, il y a déjà eu beaucoup de conférences et de cours sur le domaine, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner ma propre définition de ce que je pense être la volonté de Dieu. C'est que toute la création actuelle entre dans la lumière et la vie. C'est l'avènement du suprême. Et pour qu'il y ait l'avènement du suprême, il faut évidemment que le grand univers et tous les sept super univers soient entrés dans la lumière et la vie. Que notre univers soit entré dans la lumière et la vie avec les secteurs majeurs, mineurs, les constellations, chaque univers, et que, évidemment, notre planète soit entrée dans la lumière et la vie. Donc, ça, c'est un des buts, c'est un des buts de Dieu, c'est que, entre autres, notre planète entre dans la lumière et la vie. Ça, c'est le plan. Et donc, pour reprendre la citation que Claude nous a dit, donc le fascicule nous dit, pardon, le révélateur nous dit au fascicule 55, sur les sphères de lumière et de vie, nul monde évolutionnaire ne peut espérer progresser au-delà du premier stade d'ancrage dans la lumière et la vie, entre parenthèses, sans s'être rallié à un seul langage, une seule philosophie, une seule religion, une seule philosophie. C'est notre destinée. C'est vers quoi nous allons. Alors, évidemment, on peut se sentir très loin de cet état, hein, avoir une seule langue, une seule religion, une seule philosophie, voire une seule race pour toute l'humanité, mais c'est l'évolution des planètes normales ou anormales, comme la nôtre. Sur une planète normale, ben, on le sait donc. Nous aurions déjà un langage universel depuis plusieurs milliers d'années, suite aux enseignements d'Adam et Ève. Le fascicule 52 nous décrit l'évolution d'une planète normale selon les différentes époques planétaires. Alors peut-être que vous avez déjà vu ce schéma dans un des journaux de l'AUI. Bon, je vais le zoomer, hein, donc on ne va pas le prendre comme ça, mais simplement, il nous dit, voilà, selon les époques planétaires, voilà un peu la race, la capacité, la vie de famille, les langues, les niveaux, etc. Comment évoluent les choses sur une planète normale et anormale? Je zoome un peu sur un slide. Donc, de nouveau, on voit les différentes époques, on voit les différents thèmes, et ce qui nous intéresse évidemment, c'est le premier, la langue. Ce qui est en bleu, je reviens à l'arrière, ce qui est en bleu, c'est là où nous en sommes, nous, actuellement. Et donc, si je reprends ici les différentes époques, l'époque de l'homme primitif, ben, il y a l'apparition du langage. L'époque prince planétaire, il y a des langues, de nombreuses langues qui commencent à se mettre. L'époque post-adamique, les langues sont en voie d'unification. Après le fils magistral, il y a une langue mondiale. Après un fils des fusions, c'est l'amélioration de la langue mondiale. Et après le fils instructeur, c'est même la langue de l'univers. Et donc, vous voyez en bleu. Bien en bleu, c'est là où nous en sommes. C'est nombreuses langues. Et nous devrions être après le fils des fusions, amélioration de la langue mondiale. Et donc, je vous propose d'approfondir un peu ce thème. L'homme primitif, ben, les races évolutionnaires de couleur, rouge, orangé, jaune, vert, bleu et indigo, commence à apparaître et à peu près au même moment où les hommes primitifs développent un langage simple et se mettent à exercer leur langage, leur imagination créatrice. Voilà, on passe à l'homme postérieur au prince planétaire. Le livre nous dit, le prince planétaire n'est pas encore le prince, n'est pas le prince de la paix.
Les luttes raciales et les guerres entre tribus se poursuivent au cours de cette dispensation, mais avec moins de fréquence et de brutalité. C'est le grand âge de la dispersion des races qui culmine dans une période de nationalisme intense. La couleur est la base des groupements par tribu et par nation, et les différentes races élaborent souvent des langages séparés. Chaque groupe humain en expansion tend à rechercher l'isolement. Cette ségrégation est favorisée par l'existence de nombreux langages. Donc nous sommes après le plas planétaire, sur une planète normale. Après Adam et Ève, l'époque post-adamique est la dispensation de l'internationalisme. L'œuvre de mélange des races étant à peu près achevée, le nationalisme décroît et la fraternité des hommes commence réellement à se matérialiser. Des gouvernements représentatifs tentent à remplacer les formes de règne monarchique et paternaliste. Le système éducatif se met à l'échelle mondiale et les langages des races cèdent progressivement la place à la langue du peuple violet. La paix et la coopération universelle sont rarement atteintes avant que les races ne soient assez bien mêlées et qu'elles parlent un langage commun. Donc, nous sommes à l'époque d'Adam et Ève, donc soit à peu près moins 37 000 avant notre ère. Et donc, sur une planète normale, je résume, la fraternité des hommes commence à se matérialiser et cette paix et coopération universelle sont atteintes lorsqu'elles parlent un langage commun. Donc, la paix est donc liée à l'apparition d'un langage commun. Nous n'avons pas eu de fils magistral, hein, mais selon l'évolution d'une planète normale, c'est à ce moment-là que s'établit durablement le langage universel, la langue mondiale. C'est le langage de la race violette qui est accepté par tous les peuples et qui était instauré par Adam et Ève. Mais on le sait, sur notre planète, ça n'a pas été possible. Ensuite, il y a l'époque postérieure au fils des fusions. La supervision gouvernementale s'atténue progressivement au cours de cette époque. De vrais gouvernements autonomes commencent à fonctionner. Il est de moins en moins nécessaire de promulguer des lois restrictives. Les départements militaires de la résistance nationale sont en voie de disparaître et l'ère d'harmonie internationale d'arriver réellement. Il y a beaucoup de nations, principalement déterminées par la géographie et leurs terres, mais seulement une race, une langue, une religion. Les affaires des mortels approchent l'utopie sans l'atteindre tout à fait. C'est vraiment un âge grand et glorieux. Donc, c'est normalement l'âge dans lequel nous devrions être si nous étions sur une planète normale. Mais nous, comme vous le savez, nous ne sommes pas sur une planète normale. Ensuite, il y a l'homme postérieur, donc au fils instructeur, donc on n'y est pas du tout, évidemment. Donc à ces époques, les mots progressent avec la force vive d'un seul langage, d'une seule religion et sur les sphères normales d'une seule race. Mais cet âge n'est pas parfait. Donc ça, c'est le déroulement normal sur le déroulement, pardon, sur une planète normale. Voici ce que disent les révélateurs en ce qui nous concerne, l'âge postérieur à l'effusion sur Urantia. Même sur les mondes évolutionnaires normaux, il n'est pas facile de réaliser la fraternité mondiale des hommes. Sur une planète comme Urantia, où règne la confusion et le désordre, cet accomplissement demande beaucoup plus de temps et nécessite un effort bien plus grand. Il est presque impossible à une évolution sociale d'aboutir sans aide extérieure, à ces heureux résultats sur une sphère spirituellement isolée. La révélation religieuse est essentielle pour que se réalise la fraternité sur Urantia. Jésus a bien montré le chemin pour atteindre immédiatement la fraternité spirituelle, mais la réalisation de la fraternité sociale sur votre monde dépend beaucoup de l'accomplissement des transformations personnelles et des ajustements planétaires suivants. Donc ça, c'est ce qui
C'est ce que nous devrions faire. Il y a cinq ajustements planétaires. Je ne prends que le premier, qui est la fraternité sociale. Et on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? La multiplication des contacts sociaux internationaux et interraciaux et des associations fraternelles par les voyages, le commerce et les jeux de compétition. Développement d'un langage commun et prolifération des multilinguismes. Échanges nationaux et raciaux d'étudiants, de professeurs, d'industriels et de philosophes religieux. C'est à ce stade que nous sommes, et le livre nous dit développement d'un langage commun et prolifération des multilinguismes. Les révélateurs ne nous disent pas imposition d'un langage existant, mais développement d'un langage commun. Et nous verrons plus tard toute l'importance que cela revêt. Sur notre planète, voici aussi quelle était notre propre évolution. Donc, je reviens un peu en arrière. Le livre nous dit, ben voilà comment ça s'est développé en ce qui nous concerne. L'âge, l'homme postérieur au prince planétaire. Si vous vous rappelez, donc dans l'organisation des 100 de Caligastia, il y avait 10 conseils autonomes, dont le quatrième était celui de Fade. Fade, donc 4, le collège chargé de propager et de conserver la connaissance. Ce groupe organisa et dirigea les efforts purement éducatifs de ces âges primitifs. Il était présidé par Fade. Les procédés éducatifs de Fade consistaient à superviser les emplois tout en enseignant des méthodes de travail améliorées. Fade formula le premier alphabet et introduisit un système d'écriture. Son alphabet comprenait 25 caractères. Ces peuples primitifs écrivaient sur des écorces d'arbres, des tablettes d'argile, des plaques de pierre, un genre de parchemin fait de peau martelée et une sorte de papier rudimentaire tiré d'un nid de guêpe. Et on parle de la bibliothèque, donc la bibliothèque de Dalmatia, détruite peu après la révolte de Caligastia, contenait plus de 2 millions de manuscrits séparés. On l'appelait la maison de Fade. Donc, il y avait déjà une production énorme avec cet alphabet primitif enseigné par Fade. Ensuite, les hommes bleus avaient une prédilection marquée pour l'écriture alphabétique. Ce sont eux qui firent le plus grand progrès dans cette direction. Les hommes rouges préféraient l'écriture picturale, tandis que les races jaunes s'orientèrent vers l'emploi de symboles pour les mots et les idées, très semblables à ceux et celles qu'ils emploient actuellement. Mais l'alphabet et bien d'autres choses importantes furent ensuite perdues dans le monde pendant des désordres qui accompagnèrent la rébellion. L'apostasie de Caligastia détruisit l'espoir d'un langage universel, au moins pour des âges innombrables. Bon, ils ne nous disent pas que c'est impossible, de revenir à un langage universel, mais enfin, il faudra du temps. Ensuite, il y a eu Adam et Ève, et lorsqu'Adam et Ève arrivèrent sur notre planète, c'est Van et Amadon qui les accueillirent. La langue d'Éden était un dialecte andonique, tel que le parlait Amadon. Van et Amadon avaient notablement amélioré ce langage en créant un nouvel alphabet de 24 lettres. Ils espéraient le voir devenir la langue du Roncia, à mesure que la culture édénique se répandrait dans le monde. Adam et Ève avaient acquis la pleine maîtrise de ce dialecte humain avant leur départ de Jérusalem, de sorte que ce fils andonite entendit l'éminent dirigeant de son monde lui parler dans sa propre langue. Donc il y avait déjà l'embryon d'un langage universel lors de la venue d'Adam et Ève. Le problème sur notre planète vient évidemment de la rébellion de Lucifer. Le fait que notre prince planétaire ait suivi la rébellion a fait échouer toutes les tentatives pour instaurer un langage universel. Mais aussi la faute d'Adam et d'Ève, d'Ève et d'Adam, qui n'est pas permis de développer d'une manière significative la race violette. Ce n'est que beaucoup plus tard que que de nouveaux essais vont être créés pour lancer un langage universel. Alors, nous avons vu dans les ajustements planétaires.
La réalisation de la fraternité sociale sur votre monde dépend beaucoup de l'accomplissement des transformations personnelles et des ajustements suivants. Je reviens donc, la fraternité sociale, ce qui est la multiplication des contacts sociaux, internationaux et interraciaux, des associations fraternelles pour les voyages, le commerce et les jeux de compétition, développement d'un langage commun et prolifération des multilinguismes. Échanges nationaux et raciaux d'étudiants, de professeurs, d'industriels et de philosophes religieux. On l'a vu, le langage est lié à la paix, et la paix vient d'un langage commun, hein, mais aussi la paix vient grâce à l'élaboration d'un gouvernement mondial. Le livre nous dit au fascicule 70 sur l'évolution du gouvernement humain, la paix sur Urantia sera amenée bien davantage par des organisations de commerce international que par toute la sophistique sentimentale des plans chimériques de paix. Les relations commerciales ont été facilitées par le développement du langage et par des méthodes perfectionnées de communication, ainsi que par l'amélioration des moyens de transport. L'absence d'un langage commun a toujours entravé la croissance des groupes pacifiques. Mais l'argent est devenu le langage universel du commerce moderne. La cohésion de la société moderne est en grande partie assurée par le marché industriel. L'appât du gain est un important élément civilisateur quand le désir de servir s'y ajoute. L'absence d'un langage commun a toujours entravé la croissance des groupes pacifiques. Donc nous savons que nous allons vers l'établissement de la lumière et la vie. Et cela nécessite de nombreux ajustements dans l'organisation de la gestion des États et surtout la création d'un gouvernement mondial. Dans le fascicule 71, donc 71 hein, pour les Français et les Québécois, j'espère que vous avez traduit, donc je parle en belge. Dans les fascicules 71, les révélateurs nous instruisent sur l'évolution de l'État. Donc, l'évolution de l'État entraîne une progression de niveau en niveau, comme suit. Donc, je vais les reprendre un peu tous pour voir un peu toute cette évolution. Donc, un, la création d'un gouvernement triple ayant des départements exécutifs, législatifs et judiciaires. Deux, la liberté d'exercer des activités sociales, politiques, religieuses. L'abolition de toutes les formes d'esclavage et de servitude humaine, la capacité des citoyens de réglementer l'établissement des impôts, l'instauration d'une éducation universelle, l'instruction depuis le berceau jusqu'à la tombe, l'ajustement approprié entre les autorités locales et le gouvernement national, l'encouragement de la science et la victoire sur la maladie, la juste reconnaissance de l'égalité des sexes et la fonction coordonnée des hommes et des femmes au foyer, à l'école et à l'église, avec des services féminins spécialisés dans l'industrie et le gouvernement, l'élimination de l'esclavage des corvées par l'invention des machines et la maîtrise subséquente de l'âge mécanique, et en 10, la victoire sur les dialectes, le triomphe d'un langage universel. Et ensuite, il continue, la fin des guerres, la tendance à rechercher la sagesse. Et les révélateurs clôturent ce fascicule en disant, telles sont les conditions préalables d'un gouvernement de progrès et les marques distinctives d'un État idéal. Urantia est loin de la réalisation de ses idéaux élevés, mais les races civilisées ont fait les premiers pas. L'humanité est en marche vers des destinées évolutionnaires plus hautes. En fait, donc, ils disent, ben, on rattrape petit à petit les désordres causés par la rébellion de Lucifer. Et notre planète n'est pas si mal lotie dans son avancement, hein, dans le plan de Dieu. Je reprends la situation actuelle de notre planète, qui il dit, bon, on n'est pas si mal, elle est assez bien préparée. L'effusion de l'esprit de vérité fournit la base spirituelle pour réaliser de grands accomplissements dans l'intérêt de la race humaine, de la planète qui en bénéficie. Urantia est donc beaucoup mieux préparé pour mettre au point un gouvernement planétaire avec ses lois, ses mécanismes, ses conventions, ses symboles et son langage, qui tous
pourrait contribuer si puissamment à établir la paix mondiale sous l'égide de la loi et laisser présager l'aurore d'un véritable âge d'effort spirituel. Un tel âge est le seuil planétaire conduisant aux âges utopiques de lumière et de vie. Dans le fascicule 81, sur le développement de la civilisation durantia, le livre nous dit, hein, donc nous sommes dans le fascicule sur la, dans la section sur le maintien de la civilisation. Donc on a vu l'évolution de l'État, la civilisation qui évolue actuellement sur Urantia est née et est basée sur les facteurs suivants. Les circonstances naturelles, les biens d'équipement, les connaissances scientifiques, les ressources humaines, l'efficacité des ressources matérielles et l'efficacité du langage. Je vais reprendre les différents paragraphes. Donc, il y a quatre paragraphes qui expliquent l'efficacité du langage pour bien nous faire comprendre ce que les révélateurs veulent nous transmettre à propos du langage. Ils nous disent, la civilisation doit attendre le langage pour se répandre. Des langues qui vivent et qui s'enrichissent assurent l'expansion de la pensée et des projets civilisés. Durant les âges primitifs, d'importants progrès furent apportés au langage. Aujourd'hui, il y a un grand besoin d'un développement linguistique additionnel pour faciliter l'expression de la pensée en évolution. Comme je l'ai déjà dit, on ne parle pas de reprendre un langage existant, on parle d'un développement linguistique additionnel, d'un langage additionnel. Au fascicule 52, on l'a vu, il parlait déjà d'un développement d'un langage commun. Le deuxième paragraphe sur l'efficacité du langage. Le langage prit naissance dans des associations de groupes. Chaque groupe local établissait son propre système d'échange de mots. Le langage se développa par des gestes, des signes, des cris, des sons imaginatifs, imitatifs, des intonations et des accents. Et parvint plus tard à la vocalisation d'alphabet. Le langage est le plus grand et le plus utile des instruments de la pensée humaine, mais il n'a jamais fleuri avant que les groupes sociaux eussent acquis certains loisirs. La tendance à jouer avec le langage crée de nouveaux mots, l'argot. Si la majorité adopte l'argot, l'usage en fait la langue. Un exemple de l'origine des dialectes est l'habitude de parler bébé dans un groupe familial. Les différences de langage ont toujours été le grand obstacle à l'extension de la paix. Il faut triompher des dialectes avant de pouvoir répandre une culture dans une race, sur un continent et dans le monde entier. Un langage universel encourage la paix, assure la culture et accroît le bonheur. Il suffit même que les idiomes d'un monde soient réduits à un petit nombre pour que leur maîtrise par les peuples cultivés et dirigeants influence puissamment la réalisation de la paix et de la prospérité mondiale. Ensuite, il dit, l'Urantia a fait très peu de progrès dans le développement d'un langage international, mais l'établissement des échanges commerciaux a beaucoup apporté. Échanges commerciaux internationaux a beaucoup apporté. Toutes ces relations internationales devraient être encouragées, qu'il s'agisse de langage, de commerce, d'art, de science, de jeu, de compétition ou de religion. Et de nouveau ici, donc on parle du développement d'un langage international. On a parlé donc de la civilisation, je voudrais parler maintenant de la paix mondiale. Au fascicule 134, les révélateurs nous disent que la paix mondiale ne viendra pas sur Urantia avant que chaque nation dite souveraine en abandonne son pouvoir de faire la guerre entre les mains d'un gouvernement représentatif de toute l'humanité. Il nous explique tous les bienfaits qui surviendraient lors de l'établissement d'un gouvernement mondial. Sous un gouvernement planétaire, les collectivités nationales auront réellement l'occasion de réaliser la liberté personnelle d'une démocratie authentique et d'en jouir. Ce sera la fin du leurre de l'autodétermination.
avec une réglementation globale des monnaies et du commerce, viendra l'ère nouvelle d'une paix à l'échelle mondiale. Un langage commun en sortirait peut-être bientôt. Et au moins, on aura l'espoir d'avoir un jour une religion mondiale ou des religions ayant un point de vue planétaire. Donc, le langage est relié à la paix et à l'instauration d'une religion mondiale. Enfin, au fascicule 194, tout à la fin, il revient sur un point important. L'évangile du royaume ne devrait être identifié avec aucune race, culture ou langue particulière. Donc, tout à la fin, ils nous disent, nulle religion révélée ne peut se répandre dans le monde entier si elle commet la grave erreur de se laisser imprégner par une culture nationale ou associée à des pratiques raciales, économiques ou sociales déjà établies. L'important n'est évidemment pas le langage en soi, ce n'est pas cela le but, mais le moyen pour accéder à la paix mondiale et à la diffusion d'une seule religion, la religion de Jésus. Le langage universel est le gage qui permettra à chaque nation d'adhérer à cette religion parce qu'elle ne sera pas imprégnée par une culture nationale ou associée à des pratiques raciales, économiques ou sociales déjà bien établies. Alors, je voudrais venir un peu parler de comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'est un langage universel. Bon, évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas le langage de l'univers, hein, de Nébadon. Hein, c'est plutôt un langage compris par tous les peuples de la Terre. Et tout naturellement, on pense évidemment à l'anglais, hein, comme langage international. Mais l'anglais, bon, quand on voit les faits, c'est une langue nationale qui est utilisée, voire imposée, de manière internationale, ce qui n'est pas du tout la même chose. En 1920, quand on a créé la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, c'est le français qui était alors la langue diplomatique internationale. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ayant gagné la guerre, ils ont naturellement imposé leur langue. Mais le fait que cette langue soit utilisée dans les échanges internationaux ne suffit pas que ce soit une langue internationale. L'anglais véhicule une culture, une façon de penser, une façon de concevoir le droit international. C'est même la langue d'un empire économique. Et comme tous les empires de l'histoire, on sait qu'ils sont amenés à disparaître. Dans quelques années, et ça va venir plus tôt qu'on ne le croit, c'est la Chine qui va devenir la première puissance économique mondiale. Et le mandarin est déjà la langue la plus utilisée dans le monde. Et il est légitime de se demander si la Chine va accepter que l'anglais reste la langue véhiculaire mondiale, si elle ne va pas imposer une autre langue, la sienne ou une autre, comme elle impose déjà ses produits à toute la planète, et comme elle risque, mais j'espère que ça n'arrivera jamais, qu'elle nous impose un jour son idéologie. Ce qu'évidemment nous n'accepterons jamais. Et il en est de même pour la langue. Jamais le reste du monde n'acceptera d'apprendre le mandarin. Comme actuellement les peuples asiatiques, russes, arabes n'acceptent pas comme langue véhiculaire une langue d'un peuple ou d'un continent avec qui ils sont en guerre, directement ou indirectement. Et donc pour qu'un langage soit vraiment universel et soit accepté par l'ensemble de la planète, il faut qu'il n'appartienne à aucune nation, qu'il soit supranational. Alors évidemment, vous m'avez vu venir, hein? Je veux dire, je suis un peu étonné personnellement quand les révélateurs nous disent qu'il y a peu d'efforts sururanciens pour créer un langage universel, car il y a eu des centaines de projets de langage universel au cours des 2 derniers siècles. Peut-être vous avez entendu parler de l'interlingua, du volapük et bien d'autres. Et de tous les essais, seul un a réellement survécu et est utilisé encore actuellement par des millions de personnes dans le monde. C'est l'espéranto. Et donc, je voudrais maintenant sortir un peu du cadre très spécifique du livre du Rancia pour vous parler de ce langage qu'est l'espéranto, parce que je crois qu'il répond en tout point au projet d'un langage universel tel qu'en parlent les révélateurs dans le livre du Rancia.
Tout d'abord, qu'est-ce que l'espéranto? L'espéranto, c'est une langue construite. Elle a été créée au XIXe siècle par un ophtalmologue polonais, Louis-Lazare Zamenhof. L'idée était, et est toujours, de créer une langue pont qui serait utilisée comme une langue neutre entre toutes les nations sur Terre, une langue internationale entre les nations. Les racines de l'espéranto sont fortement influencées par les langues européennes, alors que sa grammaire, simple, régulière, expressive, ressemble plus à celle des autres familles linguistiques. L'espéranto a été conçu pour être utilisé internationalement et est facile à apprendre. On dit même qu'il est 10 fois plus rapide à apprendre que l'anglais, par exemple. En un mot, c'est une langue universelle, c'est-à-dire une langue qui n'appartient à aucun peuple, aucune nation, à aucune religion, une langue internationale, qui soit donc par définition entre les nations, au-dessus des langages nationaux, où chaque humain se trouve à égalité et doit faire le même effort pour rencontrer l'autre. C'est exactement ce dont parle le livre du Rancien quand il parle de langage universel, comme nous l'avons vu plus haut. Dans l'espéranto, il y a aussi, derrière l'espéranto, une philosophie. Beaucoup plus qu'un langage, l'espéranto a ceci de particulier et qu'il développe en son sein une philosophie qui est celle de créer une seule humanité, un seul peuple. Le livre du Rancia dirait une seule souveraineté. J'étais reprendre une citation du fascicule 134. Il n'existe que deux niveaux de souveraineté relative sur un monde habité, le libre arbitre spirituel de chaque individu mortel et la souveraineté collective de l'ensemble de l'humanité. Voilà. Donc, Zamenhof avait créé en fait, le véritable but de Zamenhof, c'était celui de promouvoir la paix dans le monde. Pour lui, la paix était entravée surtout par deux facteurs, la multiplicité des langues et la multiplicité des religions. L'espéranto n'est donc qu'un moyen pour que les peuples puissent communiquer entre eux et voire de fraterniser. Et dans cette philosophie, il y a ce qu'on appelle l'idée interne. Derrière l'espéranto, il y a cette volonté de participer donc à la paix dans le monde, comme je viens de le dire. Dans son enfance, Zamenhof, le créateur, avait assisté à des bagarres incessantes entre les différentes communautés linguistiques de sa région. Et c'est cela qui l'avait motivé à créer cette langue neutre. Mais au-delà de cela, il était aussi croyant, il était juif, il croyait en Dieu, et pour lui, il ne devait y avoir qu'un seul Dieu, et pas le Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et dès le premier congrès international des espérantistes, il a voulu faire passer cette idée d'un seul Dieu, mais cela lui était refusé. Il voulait faire passer l'idée que si tous les êtres humains sur la planète étaient égaux, étaient comme des frères, ils devaient forcément venir d'un seul et même père. C'est ce qu'on a appelé l'idée interne de l'espéranto. En espéranto, la interna ideo. C'est l'idée, en fait, de la fraternité humaine sous la paternité de Dieu. Alors, ne nous voilons pas la face. Si la plupart des espérantistes acceptent l'idée de fraternité ou du moins d'égalité entre les humains, bon, ils sont beaucoup moins nombreux à accepter l'idée de paternité de Dieu. Hein. Et Zamenhof lui-même n'a jamais pu faire accepter cette idée auprès des espérantistes. Mais à la suite de Zamenhof, bon, l'idée interne a évolué de manière plus laïque, je vais dire plus sociale, mais il y a quand même des personnes qui avaient compris le sens profond de l'idée interne de Zamenhof, notamment sa fille, sa propre fille, qui avait bien compris cette idée initiale de l'espéranto, parce qu'ensuite elle a adhéré, et non seulement elle a adhéré, mais elle a fait beaucoup la promotion d'une religion qu'on appelle le bahaïsme. Hein. Et cette religion qui prône un seul Dieu, une seule humanité, et qui encourage aussi très fortement ses membres à apprendre l'espéranto, justement pour créer cette idée d'une seule communauté, d'une seule humanité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres religions qui encouragent très fortement l'espéranto. Par exemple, une religion au Japon,
hein, qui s'appelle Omoto, qui prône également l'existence d'un seul Dieu et d'une seule humanité. Et cette religion vient de fêter les 100 ans de relations entre l'espéranto et la religion. De nouveau, parce que les fondateurs avaient compris l'importance d'une langue internationale pour développer leur religion. La bonne volonté mondiale, qui est issue du Brésil, qui nous rappelait en espéranto qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des religions. Plus près de nous, le Vatican se pose aussi beaucoup de questions concernant sa communication interne et externe. Le pape Jean-Paul II était très favorable à l'espéranto, et beaucoup de prêtres et d'évêques le sont également. Voici ce que disait un évêque tchèque après le concile Vatican II. Une des plus importantes intentions et réalisations du concile Vatican II est l'idée nouvelle d'une évangélisation adaptée au temps moderne, dans l'esprit de l'aggiornamento, donc la mise à jour, d'un dialogue avec le monde. Pour ce dialogue, nous disposons d'un outil d'exception, la langue supranationale, l'espéranto, qui ne confère à personne la supériorité et n'écrase personne. N'ayons pas peur d'adopter cet outil pour déployer l'amour de Dieu parmi les hommes. Je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai déjà fait plusieurs conférences sur le livre du Roncien lors de congrès nationaux ou de stages en espéranto. Donc je pars de l'idée interne initiale du créateur de la langue en exposant les deux aspects du projet de Zamenhof, linguistique et religieux. Il est amusant de constater que je rencontre presque chaque fois les mêmes réactions quand je parle de l'espéranto ou quand je parle du livre du Roncien. On me pose par exemple la question de la crédibilité. Bon, ça, vous le savez, vous l'avez vous-même expérimenté pour le livre du Roncien. Première question, qui a écrit le livre? D'où il vient? Est-ce qu'il est crédible? Et pour l'espéranto, vous vous posez peut-être même vous-même la question, combien de personnes parlent encore l'espéranto? Et pourquoi on va proposer l'espéranto alors qu'il y a l'anglais? L'anglais est parlé par 1 milliard d'êtres humains dans le monde, alors pourquoi chercher une autre langue? Je pourrais même dire également, pour le livre du Roncien, on me dit, mais pourquoi une nouvelle religion de Jésus alors qu'il y a déjà le christianisme qui est une religion qui est utilisée par 2,5 milliards de personnes dans le monde? Pourquoi une nouvelle révélation? Il y a les pour, il y a les contre, et partout dans le monde, que ce soit pour le livre du Roncien comme pour l'espéranto. Personnellement, depuis plus de 20 ans que je fais la promotion du livre du Roncien, ainsi que celle de l'espéranto, je dois développer les mêmes arguments pour faire accepter l'un et l'autre. À savoir, ce sont tous les deux des trésors pour l'humanité. Ils n'appartiennent à aucun peuple, à aucune langue, aucune religion en particulier. Chaque être sur la terre peut se l'approprier. Le livre du Roncien n'appartient à personne. Il n'y a pas d'auteur humain. Même le percipient est inconnu. Et pour l'espéranto, l'auteur a légué sa langue à l'humanité. Elle n'appartient plus à personne maintenant. Elle appartient à la communauté humaine. Deux, il n'y a donc personne en particulier qui a un intérêt donc particulier à développer, que ce soit le livre du Roncien ou de l'espéranto. Il ne se diffuse que grâce à nous, les lecteurs, pour le livre du Roncien, et à, je dirais, nous, parce qu'il y a quelques locuteurs espérantistes, les espérantistes. Donc, et tous les deux sont très en marche des autres langues ou religions dans le monde. Alors bien sûr, ils ont tous les deux une organisation internationale, des associations nationales, mais elles sont to totalement libres. Il n'y a pas de dogme, de pape, de hiérarchie. Elles ont toutes les deux leurs soutenants, comme je l'ai dit, et leurs forts contradicteurs, qui y croient non seulement, mais qui agissent parfois contre eux. Et aussi, elles auront tous les deux leur plein développement dans l'avenir. Le livre du Roncien, on le sait, est donné en avance pour qu'il y ait des traductions du livre et la création de milliers de groupes d'études.
C'est dans le mandat de publication. Pour l'espéranto, c'est la même chose. Il y a des vagues de développement. La plus grosse vague était avant la Deuxième Guerre mondiale, où elle était pressentie pour devenir la langue internationale utilisée par la langue des nations. Mais la guerre a exterminé beaucoup d'espérantistes parce que les dictateurs, Hitler, Staline, ne supportaient pas que les espérantistes communiquent entre eux. Mais maintenant, grâce à Internet et les réunions Zoom, il y a un très fort regain de la langue. Je reprends aussi une petite citation presque à la fin du livre d'Urantia. Les révélateurs nous disent: Urantia frémit maintenant au bord même d'une de ces époques les plus stupéfiantes et passionnantes de rajustement social, de stimulation morale et d'illumination spirituelle. On pourrait donc très justement espérer que le développement d'un nouveau langage universel fasse partie de ce rajustement social. Dans les différents arguments similaires, il y a également le même idéal. Comme je l'ai dit, les deux projets ont la même baseline, on va dire, la fraternité humaine sous la paternité de Dieu. Et alors, je sais que ça va vous sembler très réducteur que je dise ça, le même but, mais le même but, c'est une seule langue, une seule religion, une seule philosophie. Je reviens à ma citation du début. Nul monde évolutionnaire ne peut progresser au-delà du premier stade d'ancrage dans la lumière sans s'être rallié à un seul langage, une seule religion, une seule philosophie. C'est pourquoi je pense que le livre d'Urantia et la langue espéranto ont un avenir en commun. Le livre d'Urantia est aux religions ce que l'espéranto est aux langues. C'est un pont que tout le monde peut franchir tout en gardant sa propre religion ou sa propre langue. Chacun peut y adhérer sans se sentir menacé d'être soumis à la langue d'un autre ou à la croyance d'un autre. Alors là, je vous fais une phrase qui méritera probablement des commentaires. Pour moi, le livre d'Urantia, c'est l'espéranto des religions. En conclusion, rappelez-vous, nulle religion révélée ne peut se répandre dans le monde entier si elle commet la grave erreur de se laisser imprégner par une culture nationale ou associée à des pratiques raciales, économiques, sociales ou sociales déjà établies. Une des difficultés qu'a eu le christianisme, la quatrième révélation, dans son expansion dans le monde, c'est qu'on l'a souvent lié au monde occidental. C'était une religion occidentale. Si l'on veut vraiment diffuser le livre d'Urantia, la cinquième révélation, à toute l'humanité, il est de notre devoir de trouver des moyens de communication qui soient vraiment supranationaux. Et l'espéranto en est un. Il est donc très important que cette diffusion ne soit entachée par aucune supériorité, aucune culture nationale ni continentale. Et donc, voilà, c'est pourquoi actuellement, avec quelques amis que je pourrais vous présenter, nous sommes actuellement en train de traduire le livre d'Urantia en espéranto. Et quand nous l'aurons fini, je pense que l'on pourra dire que nous aurons la religion universelle dans la langue universelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. C'était extrêmement intéressant comme renseignement et ça me donne envie d'apprendre l'espéranto. Alors, France Tremblay, c'est à toi. Tu m'as convaincu. Actuellement, je suis à l'apprentissage de l'espagnol, mais je te promets que la prochaine, ça va être l'espéranto. Et il me venait une petite idée aussi. Je me disais, tu sais, il y a un langage universel aussi dont on dispose, mais qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment non plus, c'est le langage du cœur. Tu sais, de savoir sourire dans n'importe quel pays, d'envoyer des belles ondes positives d'amour. C'est puissant, ça passe partout. Il faudrait développer ça en même temps. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci encore, c'était fort intéressant.
Oui, merci. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Effectivement, il y a plusieurs types de langage. La musique est aussi un langage universel que tout le monde comprend. On fait un concert, n'importe qui va faire un concert, on comprend cette musique. Donc, ça, bon, le livre nous parle du langage de l'argent aussi. C'est bon, ça a évidemment beaucoup plus matériel, mais bon, voilà, c'est un autre type de. Mais le langage du cœur, bien sûr. Georges? Oui, Ah, pardon, Georges. Jean, je te remercie beaucoup pour cet exposé qui est franchement convaincant. Je ne connaissais pas certains aspects de l'espéranto et je suis, ma foi, ébranlé dans ma conviction. Et donc, voilà. Mais la question que je me pose alors, et la question que je te poserai, c'est pourquoi nos amis révélateurs nous ont donné le livre du Rancia en anglais et pas directement en espéranto. Est-ce que tu as une petite idée? Oui, bien sûr. Je pense que le livre du Rancien, comme pour la quatrième révélation, ils se sont posé la question où est-ce que Jésus va s'incarner pour que la diffusion de la religion soit la plus optimale. Et donc, ils savaient bien que l'anglais allait devenir la langue qui allait être parlée. Alors, je ne sais pas encore pour combien de temps, et je ne sais pas si elle va rester la langue internationale, mais c'est une langue, effectivement, qui est comprise par beaucoup de personnes, et aussi, il faut compter sur le côté messianique un peu de nos amis américains, qui permet aussi que la cinquième révélation a été connue et diffusée. Mais donc, oui, moi aussi, je me suis posé la question pourquoi ça n'avait pas été en espéranto. Mais je sais que, pour la petite histoire, pendant la guerre, il y a un Japonais qui avait écrit un texte qui se voulait international et il avait écrit en espéranto, justement, pour expliquer un peu tous les méfaits de la guerre et bon, ce qu'il pensait. Et ce texte n'a jamais été connu que dans le monde espérantiste. Donc, effectivement, il faut être un peu pragmatique et c'est clair que c'est l'anglais qui va diffuser le plus, la culture occidentale qui va diffuser le plus la révélation. La seule crainte que moi j'ai, et donc c'est ce que je disais, c'est qu'elle soit liée à la culture anglo-saxonne. Et Georges, tu es bien placé pour le savoir au sein de la fondation. Donc, la difficulté et je pense le challenge que nous avons en tant que responsables de la révélation, c'est d'internationaliser l'enseignement du livre du Rancien. Et que si on le garde trop dans un cocon, si pas anglo-saxon, continental, occidental, eh bien, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'il y a eu, comme je disais, la quatrième révélation, où on va dire, bah, c'est encore un truc occidental. Voilà, mais donc, je pense que c'était le plus logique, c'était de donner la révélation, aux Américains. Merci. Maurice Millot, c'est à toi. Bon, est-il possible que nous, les yeux anciens, actuellement, on puisse contribuer à enrichir le langage de Nébadon par l'ajout de concepts nouveaux? Bon, alors, suppose qu'on a des concepts sur Terre, sur Urantia, que, par exemple, le vocabulaire militaire. Il y a des peuples pour qui la guerre, ils connaissent pas ça. Donc, tous les mécanismes de guerre, les canons, tout le langage, les concepts, ça nous, Richard.
C'est inconnu pour eux autres. Mais quand même, c'est une réalité qu'on peut diffuser dans le cosmos, dans les bâtons. Alors, ça serait notre façon à nous d'enrichir tout ce vocabulaire de Oui. langue. Alors, je ne sais pas si la réponse que je vais te donner te convient, mais je voudrais revenir à la traduction du livre en espéranto. Il y a beaucoup de termes dans le livre du Rancien qui sont si peu incompréhensibles, auxquels on se pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que les révélateurs ont voulu réellement nous dire. Et donc, il y a des termes qu'on doit inventer. On doit créer une langue, même l'espéranto permet ça, parce que c'est une langue qui est très flexible et qui permet de créer des nouveaux mots. Mais donc, il y a vraiment, avec tout le langage urancien, on doit créer effectivement un nouveau vocabulaire. Et ça, on le peut faire grâce au livre d'Urantia. Et donc, même le français, je pourrais vous donner plusieurs exemples comme ça, où on croit que l'on a compris le texte en français. Et en fait, nous, quand on s'est posé la traduction, mais qu'est-ce que les révélateurs ont voulu dire? Il y a parfois pour un même mot, trois ou quatre sens différents. En anglais, on passe comme ça, mais quand on veut le traduire en espéranto, les mots doivent être traduits de manière différente. Et donc, ça nous oblige à comprendre le sens et pas à inventer quelque chose. Mais parfois, le texte espéranto est presque plus riche que le texte anglais lui-même. Ce qui vous semble peut-être un peu bizarre, je vais vous donner un exemple. Il y a au chapitre 4, au cahier 4, un titre qui dit La réalisation de Dieu. Donc c'est le titre d'une section, La réalisation de Dieu. The Realization of God. Donc évidemment, quand on lit ça, tout le monde a compris. On croit qu'on a compris. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Qu'est-ce que ça veut dire la réalisation de Dieu? Il y a au moins trois sens à ce mot-là. La réalisation de Dieu, c'est ce que Dieu réalise, la réalisation de Dieu. Il y a un deuxième sens, la réalisation de Dieu, c'est comme la réalisation d'un projet. Je rends Dieu réel. Ou trois, la réalisation de Dieu, c'est je réalise qui est Dieu. Et de ces trois sens-là, c'est trois traductions différentes. Et donc, le texte anglais doit parfois être enrichi d'une compréhension supplémentaire que l'espéranto permet. Et c'est ça un peu, bon, je ne dis pas que nous allons... comment faire un meilleur texte que le texte anglais, mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on essaye vraiment d'être très très attentif, c'est la compréhension du texte. Et on se rend compte, moi je l'ai lu, le livre, je l'ai lu 4 ou 5 fois en entier. Et en traduisant le texte en espéranto, je me rends compte qu'il y a des phrases entières que je n'avais pas comprises. Et ça m'oblige, parce qu'on est en train de le traduire, à vraiment comprendre exactement le sens des mots. Et ça, c'est la création aussi d'un nouveau langage ou d'une nouvelle compréhension du livre du Rancien. Normand, c'est à toi. Ouais, je me pose une question que l'anglais. Il semble que la répartition de l'anglais, l'utilisation de l'anglais sur la planète est de moins en moins associée à une nation. Il est plus associé à la démocratie, que j'ai l'impression. Et peut-être que la propagation de l'anglais sur la planète, je ne sais pas si c'est là que ça s'en vient, que ça l'irait. Puis le concept de démocratie, mais ça semble être un concept important pour le livre de Rancière aussi.
C'est juste, c'est pas que quelque chose que je propose, c'est juste un questionnement que j'ai dans ma tête à ce sujet-là. Oui, Merci. tu as raison. L'anglais est effectivement une langue qui a démocratisé les relations et qui a permis à énormément de partout dans le monde on utilise l'anglais et ça permet à plein de gens de communiquer de manière plus démocratique entre eux. C'est clair. Moi, comme je le disais, la question et la crainte que j'ai, c'est que ce n'est pas innocent que chaque langue véhicule, comme je disais, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, chaque langue véhicule une culture. Alors on pourrait dire, ben oui, maintenant ça se démocratise, etc. Très bien. Mais derrière la langue, il y a une culture. Margaret Thatcher disait, on n'a pas de pétrole, on a l'anglais. Ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Alors on pourrait dire, oui, ça se démocratise, oui, tout le monde parle. On n'a pas de pétrole, on a l'anglais. Hein. Donc, c'est l'arme de guerre, c'est l'anglais. Alors bon, je suis peut-être un peu martial, mais je pense que, voilà, moi, c'est un peu ma réflexion. George. Moi, j'aurais souhaité revenir sur ce que tu viens d'expliquer, Jean, sur la richesse du vocabulaire et de l'expression de l'espéranto. Il y a quelques jours, la semaine dernière, tu m'as posé une question sur la souveraineté. Et tu m'as posé une question très intéressante sur la souveraineté de Jésus. Et donc, cette fameuse souveraineté, c'est la souveraineté de Christ Michael lorsqu'il a terminé sa septième effusion. On nous explique que pour qu'un fils créateur acquiert la souveraineté sur son univers local, il faut qu'il ait terminé sa septième effusion. Et donc, cette septième effusion, c'est une souveraineté qu'il a gagnée par son travail. Et puis, il va voir le Père universel qui l'adoube et qui lui donne effectivement cette souveraineté. Alors, la question posée par Jean, c'était, est-ce que c'est une souveraineté gagnée ou est-ce que c'est une souveraineté qui lui a été attribuée? Et il m'explique que dans l'anglais et dans le français, il n'y a pas cette nuance-là, mais que dans l'espéranto, on peut traduire cette nuance entre une souveraineté qui a été donnée et une souveraineté qui a été gagnée. Je ne sais pas, Jean, si c'est bien là le fond de la question. Oui. Mais ça m'a interpellé parce que je me suis aperçu que, effectivement, quand on réfléchit à ce terme de souveraineté, la souveraineté est un statut, finalement. Et donc, ça ne peut être qu'un être supérieur qui donne un statut à un être, entre guillemets, inférieur. Je ne veux pas dire que Christ Michael est inférieur à son père, non, mais dans notre univers, dans le fonctionnement de notre univers, il y a toujours une autorité qui donne un statut à un être. Donc ça m'a fait réfléchir à ça et ça m'a beaucoup interpellé. Maintenant, je reviens sur le fait que cette révélation, elle a été donnée dans la langue anglaise. Elle aurait très bien pu être donnée dans la langue française ou dans n'importe quelle autre langue, mais eux, comme l'a expliqué Jean, ils sont partis d'une constatation de fait de la situation et du contexte urantien et ils ont décidé de le faire en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait même que ce soit en anglais,
Ils ont eu énormément de mal, nous explique-t-il, à exprimer des concepts et des idées universelles dans notre langage aussi rabougri et aussi, aussi fruste. C'est un peu comme un entonnoir quand on veut mettre beaucoup de liquide dans un entonnoir et à un moment donné, il y a un rétrécissement et ça coule beaucoup plus longtemps. Donc, pour moi, le fait que ça soit qu'ils aient eu toute cette difficulté, au contraire, il nous challenge à chaque mois, à chaque mot, à chaque adjectif, qu'est-ce que ça veut vraiment dire en profondeur. Et comme tu le soulignais, Jean, tout à l'heure, dans ton exemple, c'est de cette réalisation. Effectivement, le véritable étudiant va rechercher qu'est-ce que ça veut dire au fond que ce terme de réalisation. Et effectivement, il y a trois idées dans ce terme-là, mais c'est à nous d'aller chercher au fond du fond ce que ça veut dire et quelle est la signification pour nous-mêmes. Donc, j'ai peut-être que si tu traduis ça dans la langue espéranto et que tu offres ta propre compréhension des choses, peut-être que tu vas interpréter. Et donc, ça va non pas dénaturer, mais ça va être une interprétation. Et en tant que traducteur, et c'est là toute la difficulté de la traduction d'un tel livre, qui n'est pas un livre ordinaire, c'est une révélation qui vient d'en haut. Et il est essentiel que la traduction colle le plus possible et soit la moins interprétée possible. Voilà. Alors, tout à fait d'accord, et je veux dire, c'est pour ça qu'on est au moins quatre ou cinq personnes, on en est à la quatrième relecture maintenant, hein, du texte espéranto. Mais comme je disais, à un certain moment, il faut comprendre les mots. Donc, en fait, quand tu parlais du fils Michael, ma question c'était, donc le livre nous dit, il nous parle de l'élévation du fils Michael. Élévation du fils Michael, que ce soit en anglais ou en français, mais on parle de l'élévation du fils Michael. Mais en espéranto, il y a deux façons de le traduire. Il y a soit il s'élève de lui-même, comme tu le disais, ou soit c'est Dieu le Père qui l'élève. Alors, on doit faire, de toute façon, on doit choisir. On doit choisir parce qu'on ne peut pas traduire élévation comme ça. C'est soit une auto-évaluation, élévation, ou soit c'est l'élévation de quelqu'un d'autre. Donc, fatalement, il faut qu'on essaye de comprendre le texte, et fatalement, il y aura des interprétations. Mais comme il y a des interprétations déjà en français, donc moi je lis beaucoup le texte en français, il y a plein d'interprétations en français, et je vais vous donner encore un autre cas qui, moi, me semble assez probant. C'est la traduction du mot bestowal. Alors, je ne sais pas s'il y a des anglophones parmi vous, mais to bestowal, c'était traduit par l'effusion. L'effusion du fils Michael, une planète d'effusion, une mission d'effusion, etc. Effusion, vous allez voir au dictionnaire, ça n'existe pas. C'est un mot qui a été créé à l'époque pour, voilà, pour coller le plus possible au texte. Il faut savoir, vous savez peut-être que les traductions espagnoles, il y a trois traductions espagnoles, et dans chaque traduction espagnole, on traduit le mot bestowal par un mot différent. Alors, je ne sais pas comment les hispanophones s'en sortent, hein, mais voilà. Et donc, de toute façon, il y a à chaque fois, on doit interpréter pour essayer de comprendre le mot et pour coller le plus possible à ce que les révélateurs ont voulu nous dire. Mais fatalement,
il y a une interprétation, ça c'est inévitable. Même la traduction en français, qui est la meilleure, probablement la meilleure traduction, puisqu'on en est à la sixième révision, ou peut-être sept, je ne sais pas, genre tu pourrais nous le dire. Voilà, même la traduction en français, il y a des interprétations, ça c'est inévitable. Oui, France maintenant. Je voulais juste faire une petite remarque. Moi, je suis grand-maman de sept petits-enfants, puis quand je les lis sur Internet, j'ai l'impression qu'ils parlent une langue étrangère. Me semble qu'ils en sont rendus à une espèce de mélange de langues internationales dans lesquelles ils mettent des mots espagnols, des mots anglais, des mots français. Autrement dit, c'est comme s'ils mélangeaient les meilleurs mots de différentes langues, puis ils intercalent à travers tout ça un tas d'émoticônes. Que c'est comme un nouveau langage pour moi, en tout cas. J'ai l'impression peut-être cette génération-là va inventer une nouvelle langue internationale. Je lance ça en l'air comme ça. Puis il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier qu'on est rendu avec des traducteurs informatiques qui sont de plus en plus performants, là. Ben, il me semble que quand on passe d'une étape à l'autre en haut de l'autre côté, là, on traîne le petit traducteur. Enfin, peut-être que la solution va se diriger naturellement vers ça. Je vais juste lancer ça comme ça. Allez. Merci. On utilise hein, les outils de traduction, mais traduire le livre du Rancia, tu peux pas le mettre comme ça, ni dans ChatGPT, ni dans Google Translate. Hein, c'est beaucoup plus complexe que. Bon, il faut comprendre le texte, quoi. C'est compliqué. OK. Maurice, après Sophie, puis moi, ben, j'ai perdu ma petite main pour parler. Vas-y, Maurice. Bon. Alors nous, si on veut comprendre la signification du livre anglais, on doit se référer au dictionnaire anglophone. Mais on sait que les dictionnaires, ça évolue aussi d'une année à l'autre, d'une édition à l'autre, ça change. Alors les anglophones, puis les différentes impressions ou les différentes éditions que le livre anglais a fait, c'est pareil d'une fois à l'autre. Ils font juste corriger les petites virgules, je ne sais pas quoi. Contrairement aux éditions françaises où il y a des ajustements, des différences. La référence en anglais, je crois que c'est le Webster 1924. Mais nous, si on veut vraiment aller voir les définitions en anglais, puis on prend les dictionnaires anglais de nos jours, ben, ça correspond pas à cette édition de Webster 1924. Donc, la signification des mots s'est perdue ou a changé au cours des années. Donc, ce serait important d'avoir accès, toujours accès à cette référence du Webster 1924 pour s'assurer vraiment de l'origine de la définition des mots. Est-ce que j'ai raison ou? Oui, on l'utilise. Parfois, quand on bute sur un mot, on va dans le dictionnaire, le Webster 1924, c'est clair. Et la Fondation nous a fourni, comme elle fournit, j'imagine, à tous les traducteurs, ce Webster dans lequel, bon, par exemple, pour certains mots, comme le fameux bestowel, on a été repêché dedans pour essayer de comprendre quelle était la signification de ce mot. Bon, mais est-il possible que la version anglaise soit finalement un peu handicapée par la rigidité des mots qu'elle utilise? Les autres langues, d'une édition à l'autre, on peut moduler, on peut ajuster. Comme tu viens de mentionner, on peut avoir trois définitions pour le même mot. Mais à la prochaine édition, on va dire on va s'ajuster, mais les anglophones, eux autres, ils sont figés dans leur édition première, puis il n'y a rien qui change. Puis si la définition d'un mot change, mais le mot reste le même, alors c'est pareil comme s'il y avait des changements dans le texte lui-même, finalement. Oui, bon, maintenant, ça reste le texte, le fundamento, comme on dirait chez nous, hein, donc le texte fondamental sur lequel on se base et qui est vraiment le texte qui a été donné par les révélateurs. Mais c'est vrai que
Actuellement, on comprend les mots différemment. Je vais simplement donner le mot de méditation. Le mot méditation en 1930 avait une toute autre signification que maintenant, quand il y a eu toute la vague du yoga, du zen, de la méditation internationale, etc. Donc, effectivement, bon, voilà, je pense que même en anglais, d'ailleurs, ils l'ont dit, il y aura une autre, il y aura une. D'autres compléments dans l'avenir. Bon, je ne sais pas dans combien d'années, mais oui, c'est un texte qui est en évolution, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Merci à vous deux. Sophie? Eh bien, merci Jean pour parler du langage. Et bon, voilà, ça me touche à cœur forcément, hein, puisque c'est mon boulot. J'ai envie de dire que le langage, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, surtout pas justement à scléroser dans peut-être la version qui a été donnée première. Imaginez qu'on retourne dans le langage d'il y a 1000 ans. Enfin, ce serait complètement le langage. On sait que même ce qu'a dit Jésus est redit avec d'autres mots dans Urantia, parce qu'il faut actualiser. Donc, au contraire, si la révélation est donnée pour 1000 ans, ça veut dire que un même mot va complètement vouloir dire autre chose dans 1000 ans. C'est absolument pas possible qu'il veuille dire la même chose, puisque ce serait rigidifier notre pensée et nos concepts. Donc, le langage, c'est un peu un vêtement qui s'adapte aux époques, mais on ne le voit pas de la même manière au fil du temps. Et donc, tant mieux si ça change, et peut-être on n'a pas trop à se cramponner à ce qui a été donné en 1920 ou 24. Après, par rapport à la part interprétative et ce que vous avez dit avec Georges, si on n'interprétait pas le texte, on ne se l'approprierait pas, il ne nous parlerait pas. Donc le langage, c'est absolument indissociable, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre notre matérialité, notre spiritualité, puisque c'est le mental. Donc si on n'interprète pas, on n'est plus un être humain. Je veux dire, quelque part, même en utilisant le langage, on redevient un animal parce qu'on ne pense pas le langage. Et le langage, il faut le penser par lui-même. Donc oui, il peut y avoir des mots qui ont plusieurs sens, trois maintenant, deux avant, six plus tard ou le contraire. Ce n'est pas très important. Et puis, j'ai aussi envie de souligner que, comme tu l'as mis dans beaucoup de tes citations, il est complètement dépendant de la vie économique, par exemple. Donc, ça ne peut pas vouloir dire la même chose avec l'économie d'aujourd'hui et l'économie de plus tard, ce qui va le rendre encore plus vivant et adaptatif. Et je pense qu'il ne peut pas évoluer, on ne peut pas espérer fonder un langage seul sur lequel, si vous voulez, d'une manière isolée, avec lequel on va pouvoir fonder une humanité plus grande. Tout se fait en même temps. C'est grâce au progrès de l'économie, de l'industrie, de la science, de la spiritualité que le langage progresse et vice-versa. Et vice-versa, c'est un pack. Donc c'est aussi parce que notre économie, notre politique et tout ce qu'on n'aime pas va progresser, que le langage va progresser et que ce langage universel va se créer, à mon avis, par ses voies propres. Mais je préfère le mettre dans cette vivance et dire oui, ça change et tant mieux. Tant mieux parce que nous changeons et que nos concepts changent. Ça veut dire qu'on a bien des concepts qui changent. Sinon, on est rigidifié. C'est comme quand vous allez dans une cérémonie religieuse où on dit toujours les mêmes choses pendant des siècles. Enfin, excusez-moi, mais c'est lassant, quoi. À la fois, je dis tout à fait d'accord, et à la fois, il faut aussi reconnaître que la richesse du livre d'Urantia, c'est qu'on a un texte alors qui est figé et dont la fondation, la responsabilité de la fondation est de garder dans son intégralité. Hein, et voilà, donc chacun l'interprète à sa façon. Hein. Et donc, on part tous du même texte.
Et ça, c'est quelque chose qui est absolument innovateur, nouveau par rapport à toutes les autres religions qui sont chaque fois parties d'un fondateur, que bien souvent c'était les propres disciples qui interprétaient la pensée du fondateur. On a vu ce que ça donnait pour les apôtres, mais c'est la même chose pour le bouddhisme, par exemple, hein, etc. Et donc l'avantage ici, c'est qu'on a un texte, voilà, et chacun se l'approprie à sa manière, chacun l'interprète, mais quand il y a des conflits, si jamais il y a des conflits d'interprétation, ben on a la chance de pouvoir revenir au texte de base, au texte fondateur, et encore mieux de revenir en anglais et en essayant de comprendre l'anglais de 1920, bon, si on veut vraiment pousser jusqu'au bout. Donc, c'est à la fois un texte, comme tu dis, qui évolue, qui est prêt à être interprété, et en même temps, c'est un texte sur lequel on peut se fier, quoi, on peut se baser. Moi, j'aurais deux questions. Ben, en fait, on est tous des personnalités différentes. On peut avoir tous des interprétations différentes, mais comme Jésus l'avait dit aux apôtres, ce qui est important, c'est l'unité spirituelle. Et je pense que c'est ça qu'on a tous ici. On recherche tous l'unité spirituelle. Alors, moi, j'ai deux questions pour toi, Jean. La première, c'est... Vous en êtes rendu à la quatrième révision du texte en espéranto. Est-ce que vous avez prévu une date à un moment donné où ça va être terminé puis qu'on va avoir accès à cette version-là en espéranto? Et moi qui suis coincé dans mon unilinguisme français, j'ai de la misère à communiquer avec des gens d'autres langues. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux étudier l'espéranto? Mais voilà que des questions intéressantes. Alors, le texte, bon, la traduction du livre en espéranto. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, il y avait déjà une traduction qui avait été faite par un Français qui s'appelait Jean-Marie Chaise, qui s'est beaucoup basé sur la traduction du livre en français. Et donc, quand on l'a repris, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir au texte anglais. Donc, c'est beaucoup Martin qui est là. Qui avance dans la traduction. Maintenant, Martin, tu en es à quel fascicule? 81 pour la première révision. Voilà, 81. Ensuite, après, moi, je reprends toute la traduction et je fais mes propres commentaires. Et là, on en est au fascicule 33. Et puis, Martin et moi, on revoit mes propres commentaires et puis on se met d'accord sur une traduction, sur la bonne traduction. Et quand on n'est pas d'accord, on laisse ouvert, je veux dire, et moi je revois la traduction avec soit Yves, soit Alex, qui n'est pas ici, hein. Et puis après, il y a de nouvelles personnes qui relisent le livre, donc c'est Lucas qui est ici. Lucas Perrier et Yves également qui relisent les cahiers. Et donc voilà, on a plusieurs étapes de traduction. On pourrait dire on est au 81 avec Martin, moi j'en suis au 33 et puis on est ensemble au 22. Enfin bon voilà. Je pense que la traduction finale sera attendue pour dans 15 ans. Au rythme où nous allons. Au rythme où nous allons. Alors, pour la petite histoire, il y a un site que Martin a fait qui s'appelle Urantia Esperanto, où là, il y a la traduction du livre. Et alors, évidemment, pour toi, Claude, et pour tous ceux et celles qui veulent apprendre l'espéranto, il y a une quantité de sites qui existent, comme lernu.net. Vous tapez Esperanto, esperanto.net, etc. Il y a un autre site, il y a Duolingo aussi qui donnait l'espéranto. Et puis, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a des associations d'espéranto.
Claude, si ça t'intéresse, tu te mets en contact avec Martin, qui va tout de suite te donner toutes les possibilités au Québec d'apprendre l'espéranto. Ça, il faut savoir que l'espéranto est parlé par, alors je vais dire des millions de personnes, mais est parlé partout, partout dans le monde. Merci beaucoup, Jean. C'est très intéressant. On va prendre une dernière question. Il y a France qui a levé la main. Et je pense que ça va être la dernière, là. Oui, je vais faire ça rapidement. C'est juste pour vous rappeler que le livre Durancien a quand même été délivré aux Juranciens il y a à peu près 100 ans, et puis que certainement qu'il y a des mots là-dedans qui n'existaient pas encore, et que c'est écrit dans le livre Durancien qu'il y a des mises à jour qui sont faites à toutes les générations. Les générations, ça dure à peu près 20-25 ans. Donc, on est à 4 mises à jour. Alors, je pense que la mise à jour dans les mots, il faut faire bien attention de ne pas garder la vérité du livre Durancia, qu'elle se cristallise sur place. La vérité, c'est vivant. Dans le langage aussi, il faut améliorer, puis faut pas hésiter à corriger, puis il faut les faire, les mises à jour. C'est notre responsabilité. Merci. Mais tout à fait, et je dirais non seulement la mise à jour, mais je dirais la compréhension du texte. La compréhension du texte, bon, vous savez, enfin, moi, comme je le dis souvent à mon groupe d'études, on lit une fois. Alors les gens pensent, ah, tu l'as lu une fois, c'est bien. Mais non, il faut le relire, il faut le re-relire. Et chaque fois qu'on lit le texte, les mots prennent un sens différent, prennent un poids différent. Et donc, le texte lui-même prend une couleur différente. À chaque lecture, on est enrichi par la lecture précédente. Et donc, avant que les révélateurs ne nous fassent une aggiornamento, pour reprendre le texte, le titre, le terme de l'évêque tchèque, une mise à jour du livre Durancien, je pense qu'on a énormément de choses à faire pour s'approprier le texte et pour essayer de le comprendre dans notre propre langue. Et bon, pour avoir regardé un peu les autres traductions, ben les autres pays, dans leur propre traduction, ils s'approprient le texte. Et dans mon expérience personnelle, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que lorsque tu prends le temps de méditer comme il faut, moi, j'appelle ça se connecter à son ajusteur avant de le lire, le sens est vraiment augmenté, c'est différent. La compréhension n'est pas la même. Merci. Merci, France. Bon, il y a Olivier, vas-y avec ta question, mais c'est la dernière. Je voulais remercier Jean pour cet exposé convaincant et lui demander s'il était possible que nous entendions une phrase ou deux en espéranto, s'il te plaît. Saluton, mi gioias che vi ascolti min, kai mi esperas al vi bonan vesperon. Kai nun la prelego estas finita, kai mi deziras al vi bonan vesperon kai bonan semajn finon. Merci Jean. Est-ce que vous avez compris? Oui. Non. Tellement, Mi deziras al vi bonan vesperon. Je vous souhaite une bonne soirée.